J'ai un brûleur jet dans le coffre de la voiture. C'est la Moi j'ai une baguette chinoise entre les deux. Ah ouais, non, je ne sais rien du tout. On démarre l'inscription à 14h30. On va essayer, comme c'est une première cuisson, je vais prévu une cuisson en silence, carré de 10 en 7h30. Bon, vu le four n'est pas sec et il est archi chargé, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais disons que le projet de départ ressemble à une courbe qui est ici, que vous pourrez vous faire passer. Là. Avec l'équipe, là, on a mis au point un système de notation pour les cuissons, où en fait, on commence déjà pour des généralités, on note la date et l'heure. On note l'atmosphère et le vent, c'est extrêmement important, ça rend compte des fois des années après qu'on a cuit un jour par une pluie d'automne, on a eu un très beau résultat, et puis la même cuisson un mois de juillet était catastrophique, c'est des choses qui sont à noter ça. Hein. Donc là on peut dire que, je sais pas, il n'y a pas de vent, non. Bon, non. C'est pas la planète. Et s'il y a du vent, il vient de quelque côté. Non, il n'y a rien. Bien, c'est pas bien. Type de bois utilisé. Chêne. Bien sec. Projet. Donc, je dis cuisson. On va essayer de cuire en faisant du 200 degrés heure jusqu'à 1200. Ça veut dire, ça fait 6 heures.
Après, de 1200 à 1300, on va se donner une heure avec une femme réductrice. Et puis après, on va se donner une demi-heure de palier, de nappage ou de... ou le temps de fermer les foyers, ainsi de suite. C'est-à-dire une cuisson qui est... Bon, moi, j'ai l'habitude de faire ces cuissons en 7h30, comme ça. Bon, là, ça ne sera pas le cas, mais c'est une chose de schéma, quoi. Et puis aussi, là, il y a une petite ligne qui est intéressante, c'est résultat. Bon, ben, ça, c'est lundi qu'on va noter. C'est intéressant ou pas. Et après, dans cette courbe, il y a des... tout un tas d'indications. Là, il y a par exemple la température qu'on prévoit d'atteindre à chaque heure ou chaque demi-heure. Si on fait du 200 degrés heure, bon ben là, il faudrait qu'on ait une demi-heure, on soit à 100, dans une heure, on soit à 200, et ainsi de suite, quoi. Jusqu'à 1200, puis après plus lent. On note la température du bas du four et du haut du four. On note si on peut le résultat de l'analyse de gaz pour savoir si on a une oxydation, réduction, s'il y a du CO. Et puis, bon, là, on ne va pas le faire parce que les résultats seront mauvais et que on a eu tellement d'autres choses à faire. Là, chez moi, je pèse le bois. J'ai une balance où je mets 20 kg de bois. Puis quand je les ai mangés, j'en mets 20 et ainsi de suite. Et je note chaque fois combien de kilos de bois j'ai consommé et quel gain le petit truc Excel là me donne systématiquement, quel gain ça m'a obtenu avec ces 20 kilos de bois. C'est dingue, hein? Est-ce que tu peux fermer ton panneau? Oui. Donc là, lui, il sert à rien. Tu peux en mettre un, comme ça, il vient bien craquer, non? C'était ton marqueur ou pas? Non. Tu peux utiliser ça si tu veux comme marqueur. Oui. Regarde, moi, je ne te presse jamais, c'est mon nom. Non, c'est bien, on est très très bien. La qualité de la couleur de la porte, c'est magnifique. Ouais, c'est beau, hein. Comment? Ah, déjà, la porte, je trouve magnifique. Bravo et merci. Merci. Le team. Alors, est-ce qu'on pourrait, voilà. Allez-y. Aude, où est-elle? Jean, il faut tourner avec les pionniers. On fait une petite photo quand même. Vous êtes beau, hein. Vous êtes superbe. Bouge ton appareil. C'est bien. Beaucoup plus beau qu'avec nous, j'ai beaucoup plus beau. Alors assiette, on va faire là. On a assiette du dessus. Allez, du dessus, donc c'est face ici. Alors à gauche, je prends ça. Là, on est droite, milieu, à gauche, milieu. Ah, il a regardé? Ou alors il faut qu'on mette. C'est une bâtarde. C'est là, hein? C'est ce qu'elle a dit.